Hello, hello! Salut! Et bienvenue pour un nouveau vlog! Je vous retrouve juste avant de manger parce que ce matin on avait un rendez-vous avec Sam. Oui. Et comme c'était pas très très loin de chez Maison Jarry à Cavaillon, on s'est fait plaisir. Et pour ce midi, on a ramené plein de bonnes choses à manger. Je vous remontre ça parce que je crois que la dernière fois, je vous avais montré en story sur Instagram. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis si contente quand on va par là-bas et qu'on peut aller chez Maison Jarry. C'est là-bas que nous trouvons ces petits sandwichs frais. Et c'est ce que j'apprécie vraiment en fait quand on achète des choses à manger chez eux, parce qu'on sent le goût de chaque ingrédient. Ça a plein de saveurs. Ce sont des goûts assez originaux, je trouve. Et c'est vraiment fait avec des produits frais, hein, donc... voilà, je sens miam, que... Miam, quoi. Ouais, je vais me régaler, on va se régaler. Donc, bon appétit. Bon app. Bon, bah à l'arrivée, on s'est régalé comme d'habitude. Ouais. C'était trop bon. Carrément. Et là, on vous retrouve dans la voiture puisqu'on avait une petite course à faire à la poste en fait. Et comme à la poste, on ne sait jamais si on va en avoir pour une demi-heure ou pas. On est parti en avance et à l'arrivée, on est passé tout de suite. Donc, on avait un petit peu de temps avant d'aller à l'école. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu de repérage encore pour Future Baby. Puisqu'il y a quelqu'un, alors je suis désolée, j'ai pas retenu le pseudo, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit tu devrais aller faire un petit tour dans le magasin pour bébé qui se trouve à... Attends, comment ça s'appelle Bulder. Ici, c'est Bulder. Hein. Il y a des trucs super mignons. Donc, on s'est dit, on va aller regarder. Hein. On va repérer un petit peu. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui se fait. Et puis, ça fait toujours plaisir de regarder les petites choses. Ouais. Voilà. Donc, c'est parti. Je les avais encore pas vues, ces chaises hautes. Et alors, celles avec les petites ailes d'ange, elles sont trop jolies. Le coussin orange. Ah oui, c'est trop chou. Regarde, Sam. Il y a une chancelière version Chewbacca. Ouais. C'est excellent. C'est vrai qu'il y a des marques qu'on n'avait pas encore vues ailleurs en fait. Les bavoirs, ils sont originaux, ils sont trop mignons. Celui-là, là. Il est canon. Ouais, trop chou. Ça lui fait un petit... Ah, sur les épaules. C'est trop mignon. Et là, il y a les oreilles de lapin qui dépassent, regarde. Ouais. Et on a la version dorée, princesse. J'aime bien aussi le côté petit bavoir pandana comme ça. Mmh. Avec le petit nœud. C'est chou. On a fait quelques petites trouvailles et du coup, vu qu'on a encore un peu de temps, on est passé faire un tour chez Maison du Monde et on vient de tomber là-dessus. Bon, alors déjà, clairement, ça nous fait trop penser aux vacances. Hein. Voilà, ça donne vraiment trop envie. Et en plus, Sam m'a fait remarquer que le nom ne nous était pas inconnu, ouais. Puisque ça se trouve en Polynésie. Donc, dommage, hein, on n'a pas la place dehors. Bon, remarque, il faudrait vraiment la super belle piscine, genre comme dans les hôtels pour aller avec. Hein. Mais c'est canon. La collection là chez Maison du Monde, ce qu'ils ont fait, ça donne vraiment envie d'être en été ou de partir en vacances au soleil. Hein. Vraiment. Beaucoup trop. Bon, on continue à se balader. Je vous retrouve avec la puce. Coucou. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Bien. Bien? Rien de particulier à nous raconter? Rien. Ça fait un moment que je t'ai pas demandé ce que tu avais mangé à midi. Alors comme on avait dit que tu nous en parlerais avec ton frère que quand vous trouviez ça bon, c'était... ça veut dire que ça n'a pas été bon depuis... Depuis... Oh, mais depuis au moins 3-4 semaines, je vous ai pas demandé. C'était mauvais tous les jours à ce point-là? Ouais. Ça, c'est pas cool. Mon coussi comme ça à midi. Mmh. Bon, tu sais que je viens de calculer en regardant les calendriers qu'il n'y a plus que demain et une semaine et vous êtes déjà à nouveau en vacances. trop cool. Bon, comme vous vous en doutez, Josh a déjà filé dans sa chambre pour aller faire ses devoirs parce qu'il nous a parlé d'interro pour demain. Mmh. Et du coup, juste avant de venir vous chercher à l'école, avec papa, on est passé dans une petite boutique parce qu'on avait un petit peu de temps. Et qu'on m'en a parlé, du coup, on a voulu voir ce qu'il y avait. Tu sais, c'est là où il y a Ikea, Maison du Monde, tout ça. Est-ce que tu peux nous montrer les petites trouvailles? Alors, il y a un truc, bah, c'est celui-là. C'est moi qui l'ai attrapé. Et l'autre, c'est ton papa qui l'a attrapé. Ça, c'est quoi? C'est un petit bavoir, tu sais, un peu style bandana. C'est un bavoir spécial bébé tout petit. Tu le mets comme ça? Oui, c'est ça, avec un petit nœud et tout. Trop mignon, hein? Et un doudou, un autre doudou. Il peut pas venir dans ma chambre. Tropical. Non, ça ne marchera pas, ça, mademoiselle. Avec ma déco. Alors, si tu veux autre chose qui pourrait te plaire, moi j'ai une petite idée parce qu'on a aussi reçu un gros carton aujourd'hui. Et à mon avis, vu ce qui est dessus. Attention à la chute. C'est plutôt pour toi, donc j'ai attendu pour l'ouvrir. Tu viens? On va découvrir ce qu'il y a dedans. C'est parti! Avec Sam qui est pas loin. Gros coucou. On va voir, écoute, on va voir. En tout cas, attention à la chute. Ça promet d'être plutôt sympa. T'as une petite idée de ce qu'il peut y avoir dedans? Non? Alors, on ouvre.
Waouh. Wow. Il y a des sucettes. Elles sont trop belles, ça fait très fête foraine, c'est trop joli. Et un ticket de cinéma géant. Puis alors géant. Hein. Il est super beau, il est dur en plus. Ouais. En décoration, c'est super sympa ça. Le Parc des Merveilles au cinéma le 3 avril. Ah, j'avais jamais vu un ticket géant c'est comme ça. Bien. C'est super bien fait. Vraiment. Ensuite, j'aperçois un gros nounours. Oh, il y a un gros nounours. À mon avis, c'est un héros. Alors, je sais pas combien il y a de héros dans le film, mais je pense que oui, ça doit être un des héros principaux. Hein. Ouais, ça doit être ça. Il est beau. Il est gros en plus. Ouais. Super sympa. Jonathan dit qu'il s'appelait Boom. Oui, c'est marqué dessus. C'est marqué là. Et effectivement, il est sur le ticket de cinéma. Super chouette. Alors, il y a encore un gros carton. Je vais percevoir quelque chose. C'est quoi? De la préparation sucrée Barbe à Papa. De la préparation. Arôme cola. De la préparation sucrée Barbe à Papa. Arôme cola. Mais attends. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose. Non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est que pour faire de la barbe à papa, il faut une machine à barbe à papa. Une machine à barbe à papa. Et à mon avis. Ah mince, j'ai pas pris de quoi ouvrir. Bah, je vais aller vous chercher tu ça. Tu vas aller nous chercher ça. Et ça, c'est la petite enveloppe. Montre. Ah, elle est fermée. Est-ce que tu peux l'ouvrir pour moi, s'il te plaît? Et on va voir à quoi ressemble la machine. Regarde un peu. Waouh! Rouge, ouais, trop belle. Super jolie. Oh, c'est canon. Waouh! Oh, regarde, elle est personnalisée. Il y a le Parc des Merveilles dessus. Dindin. Oh, c'est trop joli. Ça c'est fait joli, fête foraine, hein, et tout. Vraiment. C'est génial. Et on va pouvoir aller voir le film au cinéma. C'est super. Trop cool. Donc, c'était une merveilleuse séance en famille. Oh, trop génial. C'est trop cool. Moi, j'en avais pas entendu parler de ce film. Vous en avez entendu parler? Non. Non. Moi, j'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu la photo qui est sur le grand qui est sur le carton, qui est sur le grand ticket. Je sais plus. Et ben, quand on est allé au cinéma la dernière fois, je crois. Oui. On ne savait pas ce que c'était, mais on a vu la photo, effectivement. Du coup, on ira le voir et on vous dira ce qu'on en a pensé. Et si jamais vous allez le voir avant nous, bah, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé ou si vous avez l'intention d'y aller parce que justement, vous avez déjà vu la bande-annonce et que ça a l'air chouette. Mais c'est un super cadeau. Ouais. C'est super original. C'est super, hein. Franchement, bien entendu, quand on fera la barbe à papa, je vais y arriver. Moi, hier, je parlais de barbe à papa avec ma coiffure de barbe à mama. Et ben maintenant on va pouvoir faire des barbes à papa et on vous montrera ça, c'est certain. Donc, j'adore, ça va me rappeler les années où je travaillais à la fête foraine. Trop bien. Non, moi je les faisais les barbes à papa, je les mangeais pas, crapule. Bon ben je crois qu'on va refaire comme au bon vieux temps, c'est moi qui vais les faire et c'est toi qui les mangeras. Alors oui. Ok, tu feras la cliente. Bon, sur ce, c'est bientôt l'heure de l'entraînement pour la demoiselle, donc on vous retrouve un petit peu plus tard. On en est déjà à l'entraînement, on en a profité pour passer faire 2-3 courses parce que c'était la cata, je n'avais plus mes princes. Parce qu'en ce moment, le matin, je remange des princes. Ouais. Et du coup, je les trempe dans du café. C'est parce vrai. Que ça y est, je suis plus dégoûtée, écœurée par le café. J'arrive à en reboire, mais à toute petite dose, hein, bien entendu. Donc juste avec les princes le matin. Et par contre, la brioche, ce n'est pas moi, c'est Josh. Ouais. N'est-ce pas, Loulou? Qui est pas loin, mais qui est en train de, de sortir des copies, toujours pareil pour ses devoirs. Quoi. C'est ça. Ouais. Ça va, l'imprimante, c'est quoi? C'est 1-0 pour l'imprimante ou pas? 2-0. Non, pour l'instant, il y en a 3-0, je crois. 3-0 pour l'imprimante, ouais. C'est pas bon, ça. Non, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que Josh et mon imprimante, c'est une grande histoire. Ah, t'as fait deux. Pas d'amour. Ah non, clairement pas. C'est-à-dire que mon imprimante fonctionne très bien avec moi, et à chaque fois que c'est lui qui essaie de s'en servir, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais non, mais là, je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas m'imprimer 2 pages en recto verso et elle m'en imprime qu'une. Pourtant, ça fonctionne très bien. Mais pourtant, elle a toujours marché avec moi aussi. Oui, bien sûr, oui. La dernière fois qu'il s'en est servi, j'ai carrément eu un bourrage papier. Bah, je vais aller l'aider. Si, si, c'est vrai. T'es témoin, Sam. Tu te rappelles? Faut pas dire. Chut, on a rien dit. Personne n'a entendu. Recoucou, je vous retrouve derrière mon ordi, ça me vient juste de partir pour aller chercher la puce au hip-hop. Le jeudi, c'est le soir où elle finit vraiment assez tard. Donc je me suis dit que j'allais arrêter le vlog maintenant parce qu'en fait là, elle va rentrer, manger, filer sous la douche et direction dodo direct. Donc voilà, c'est vraiment le jeudi, c'est assez rythmé le soir. Et je voulais, avant de terminer le vlog, penser à répondre à 2 questions que vous êtes hyper nombreux à me poser, surtout sous les derniers vlogs. D'ailleurs, il y en a même 3 en fait, des questions. La première, c'est je suis enceinte de combien de
temps. Donc, pour tout vous dire, là, je suis au début de mon cinquième mois. La deuxième qui revient beaucoup, c'est pour quand est prévu l'accouchement. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est sûr, comme j'ai déjà eu deux césariennes, ce sera une césarienne. La date de cette césarienne n'est pas encore fixée, parce que quand on a une césarienne qui est prévue, en fait, le docteur, il fixe la date, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait, parce qu'on attend quand même d'avancer un petit peu plus dans la grossesse. Mais grosso modo, ce sera mi-août. Voilà, à quelques jours près, ce sera par là. Et sinon, l'autre question que vous êtes nombreux aussi à nous poser depuis qu'on vous a fait la vidéo Gender Reveal, c'est, mais ça se trouve, le docteur, peut-être il s'est trompé, imagine, c'est pas une fille. Alors, je vous avoue que moi, quand il nous a dit, il nous a demandé si on voulait savoir et qu'on lui a dit oui et qu'il nous a dit c'est une fille, ma première réaction, justement par rapport à ça, ça a été de lui dire, vous êtes sûre? Alors, non pas que je voulais absolument que ce soit une fille, puisque je vous l'avais dit, ça m'était complètement égal. Moi, ce qui m'importe, c'est un bébé en bonne santé. Après, que ce soit fille ou garçon, c'est un cadeau, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on vous annonce une fille et qu'en fait, 2 mois après ou 3 mois après, on s'aperçoit qu'il y a eu une erreur et que c'était un garçon ou inversement, c'est pas hyper cool. Donc, c'est vrai que ma première réaction, ça a été ça, de lui dire, vous êtes sûre? Et en fait, il m'a clairement dit, alors, je vous explique. Si j'en étais pas sûre, je ne vous l'aurais pas dit. Si je vous le dis, c'est que j'en suis sûre. Si jamais je me suis trompée, je dois changer de métier. Donc, franchement, c'est mon docteur. Il a vu naître mes 2 premiers enfants. Là, ça va être le 3e qui va naître avec lui. Donc, j'y fais vraiment, vraiment archi méga confiance. Et s'il m'a certifié que s'il me l'avait dit, c'était parce qu'il était sûr. Je le crois complètement. Donc, voilà, et du coup c'est bon pour les réponses aux 3 principales questions qui me sont revenues. Quand vous mettez des commentaires sous les vidéos, en fait j'essaye de vraiment retenir pour essayer de vous répondre dans les vidéos qui suivent, mais il y a tellement de commentaires et puis j'ai une mémoire qui est tellement pourrie, n'ayons pas peur des mots, que c'est pas forcément évident. Mais voilà, ça fera déjà 3 questions que j'ai pas oubliées auxquelles j'aurais répondu, et du coup je vais vous laisser pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu, et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.